Dimanche 23 à 4 du matin, nous vîmes au sang que nous avions de passer dans la nuit du fruit. Que nous approchions de la manche, nous apercevions à chaque instant des vaisseaux anglais ou des frégates allant ou venant dans toutes les directions. À la nuit, nous étions en vue des côtes d'Angleterre. Lundi 24, vers les 8 heures du matin, nous jetâmes l'ancre dans la rade des Torbay. L'Empereur s'était levé dès 6 heures du matin et monté sur la dunette. Il observait les côtes et le mouillage de l'oiseau. Je ne le quittais pas pour lui fournir toutes les explications relatives. Le capitaine Maitland expédia aussitôt un courrier à Lord Keith, son admiral général qui était à Plymouth, le général Gourgaud, qui était parti sur le Slaney, vint tout nous rejoindre. Il avait de saisir de la lettre au prince régent. On ne lui avait pas permis le débarquement, on lui avait même interdit toute communication quelconque. Ce nous fut un mauvais augure et le premier indice des nombreuses tribulations qui vont suivre. De qui transpira que l'empereur était à bord du Bellerophon, la rade fut couverte d'embarcations et de curieux. Le propriétaire d'une belle maison de campagne que toi as vue la nuit envoya un présent des fruits. Mardi 25, même concours de bateaux, même affluence de spectateurs. L'empereur le considérait de sa chambre et se laissait voir. Parfois, sur le pont, le capitaine Maitland, revenant de terre, me remit une lettre de Lady C, qui en contenait une de ma femme. Ma surprise fut grande d'abord, et égale à ma satisfaction. Mais cette surprise, c'est ça, quand j'ai considéré que la longueur de la traversée avait permis un journal de France de publier et de transmettre au loin notre destinée. Ainsi, tout ce qui était relatif à l'empereur et à sa suite était déjà connu en Angleterre et nous y étions attendus 5 ou 6 jours avant d'y arriver. Ma femme s'était empressée d'écrire à ce sujet à Lady C. À celle-ci avait eu adresse d'écrire au capitaine Maitland sans le connaître et de lui envoyer mes 2 lettres. La lettre de ma femme était d'une douce affliction, mais celle de Lady C, laquelle savait déjà à Londres notre destinée future, était pleine des plus vifs reproches. Il ne m'appartenait pas pour disposer ainsi de moi. C'était un crime d'abandonner ma femme et mes enfants. Triste résultat de nos éducations modernes qui relèvent nos âmes et si peu qu'on ne conçoive ni le mérite ni le charme des grandes résolutions et des grands sacrifices. On croit d'avoir tout dit, on a tout commenté, a tout justifié. Sitôt qu'on a mis en avant le danger des intérêts privés et des jouissances domestiques, on ne soupçonne pas que le premier devoir envers la femme est de lui ménager une situation onéreuse et que le plus riche héritage laissé à ses enfants est l'exemple de quelques vertus, est un homme qui se rattache à un peu de gloire. Mercredi 26, des autres étions venus dans la nuit de nous rendre immédiatement à Plymouth. Nous avons appareillé de bon matin. Nous sommes arrivés à notre nouvelle destination vers 4 heures d'après-midi. 40 jours après notre appareillage à Rochefort,
27 après notre départ de Paris et 35 après l'abdication de l'empereur. Notre horizon s'est rembruni dès lors singulièrement. Des canons armés ont tiré les vaisseaux, éloignant au loin, éloignant les curieux, même à coups de fusil. L'amiral Keith, qui était en rade, ne vint point à notre bord. Deux frégates firent le signal d'un départ immédiat. On nous dit qu'un courrier extraordinaire leur avait apporté le matin une mission lointaine. On distribua quelques-uns de nous sur d'autres bâtiments. Toutes les figures semblant nous considérant sinistres, avions gagné le vaisseau. Il circulait pour nous plusieurs destinations, toutes plus affreuses que l'une que les autres. L'emprisonnement à la tour était la plus douce et quelques-uns parlions de Sainte-Hélène. Sur ces entrefaites, les deux frégates sur lesquelles on m'avait fort éveillé apparurent bien que le vent leur fût contraire pour sortir et arriver par notre traverse. Elles laisseront retomber l'ancre à droite et à gauche de nous, presque à nous toucher. Alors quelqu'un me dit l'oreille qu'elles devront nous enlever à la nuit, le faire voile pour Sainte-Hélène. Non, jamais je ne rendrai l'effet de ces terribles paroles. Une sueur froide parcourut tout mon cœur. C'était une arête de mort inattendue. Dévorant, impitoyable, mais saisons pour le supplice, on m'arrachait violent à tout ce qui m'attachait à la vie. J'étendais douloureusement les bras vers ce qui m'était cher. C'était en vain, il fallait périr. Cette pensée, une fois autre, en désordre, exciteront en moi une véritable tempête. C'était le déchirement d'une âme qui cherche à se dégager de ces amalgames terrestres. Mes cheveux en ont blanchi. Heureusement, la crise fut courte et mon moral en sortit vainqueur, si pleinement vainqueur, car compté à cet instant, je me trouvais au-dessus de toutes les atteintes des hommes. Je sentis que je pouvais désormais défier l'injustice, les mauvais traitements, les supplices. Je jurais tout dès lors qu'on attendrait jamais de moi ni plainte ni demande. Mais que ceux d'entre nous auxquels j'ai dû paraître si tranquille dans ces fatales circonstances ne m'accusant point de ne pas sentir. Ils ont prolongé leur agonie en détail. La mienne s'était opérée en masse. Un des rapprochements qui ne sera plus le moins bizarre de ma vie revint peu après à mon souvenir. 20 ans auparavant, durant mon émigration en Angleterre, ne possédant rien au monde, j'avais refusé d'aller chercher une fortune assurée dans l'Inde parce que c'était trop loin. Mais, disais-je, et que je me trouvais trop âgé. Aujourd'hui, avec 20 ans plus tard, j'ai quitté ma famille, mes amis, ma fortune, mes plus douces jouissances pour aller à 2000 lieues, me renier volontairement sur un rocher au milieu de l'océan, pour rien. Mais non, je me trompe. Le sentiment qui m'y conduisait était bien supérieur aux richesses que je daignais d'aller chercher alors. Je suivais, j'accompagnais celui qui gouverne le monde et remplira la postérité. L'empereur parut sur le pont
à son ordinaire. Je l'ai vu quelque temps dans sa chambre, sans lui communiquer de ce que je vais. Après, je voulais être son consolateur et non contribuer à le tourmenter. Cependant, tous ces bruits étaient arrivés jusqu'à lui, mais il était venu si librement et de si bonne foi à bord du bel refond. Et s'y était trouvé si fort attiré par les Anglais eux-mêmes. Il regardait tellement sa lettre au prince régent communiquer l'avance au capitaine Maitland comme des conditions tacites. Enfin, il avait mis tant de magnanimité dans sa démarche qu'il refusait avec indignation toutes les craintes qu'on voulait lui donner et ne permettait pas que nous puissions avoir des doutes.